私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。Papa t'a dit qu'il t'emmenait pêcher ce week-end? Bien sûr. Harry, sors de là! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Harry! Vite! Ah! Rentre dans la maison, allez, va! Il n'y a personne dans ce trou. Oui, les gens ont dû se rendre à la ville. Espérons que nous trouverons le reste de l'équipe auprès du réservoir. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Otto? On dirait qu'ils ont mangé la consigne. Oh non. Bon, ben dans ce cas, il vaut mieux qu'on s'arrête et qu'on les attende. Arrête-toi là, allez. Bien. On les a perdus. Je vous dirai que le patron va encore se mettre en boule. Et ce bon vieux Georges va être viré une fois de plus. T'en fais pas. Je te parie qu'on sera les premiers. On parie? Georges, tu roules trop vite, alors. Mais qu'est-ce que tu as? Tu t'es mordu la langue? On trouvera une bonne route un peu plus loin. Ne t'affole pas inutilement, Arthur. Oh. Oh, mais si tu continues comme ça, je suis certain qu'un de nos pneus va finir par éclater. Arthur, tu es démoralisant. Peut-être qu'il a raison. Je l'avais dit, hein, je l'avais bien dit. Mais on a crevé. Ah, tu nous as porté la guigne, Arthur. C'est pas de chance. Regarde ça. Une lame de faucille? Qui peut perdre une lame de faucille au milieu de la route? Oh, c'est du sang. Oh, regardez, là. Oh.
Drôle de paysans qui laissent traîner leurs outils n'importe où. Regardez, une bêche. Et voilà l'autre morceau. Drôle d'histoire. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu arriver? Oh, vous entendez? Ça vient de la colline. Ça m'a l'air sérieux. Mais on appelle au secours. Il vaut mieux qu'on aille voir ce qui se passe. Oui, dépêchons-nous, allons-y. Il n'y a personne. Vous entendez ce bruit? Oui, j'entends. Ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. C'est étrange. Ouais.確かこの辺りだったが。ダメです。何の傷だ。うちにしては太すぎる。 Double? Non, il y a deux monstres. Ouais. Il semble qu'ils ne nous ont pas vus. Fichons le camp. Ou bien, nous finirons tous comme ces malheureux. C'est incroyable. Le docteur Gorry a encore fait des siennes. Je me demande si cette fois-ci Spectreman pourra venir à bout de ces monstres. Georges! Viens vite! Il est délicieux. Enfin, j'ai pu inventer l'équivalent de l'armure volante. Et je vais le perfectionner pour que Spectreman ne puisse jamais le terrasser. Je vais recouvrir le village de nuages et faire éclater un orage magnétique. Le village sera ainsi complètement isolé. Alors le monstre à deux têtes se mettra en route, détruisant tout sur son passage. Ensuite, il me servira pour conquérir la Terre. Il va faire de l'orage. Je voudrais partir d'ici. Oui, moi aussi. Alors, partons. Ouais. Je repense à ces rats géants qu'on a vus. Il doit bien exister un moyen de les détruire. Mais qui voudra croire qu'on a vu des rats géants? Qu'en penses-tu? Moi? Comment expliquer la chose? En supposant que ce sont de gros rats, comment ont-ils mis cet outil dans l'arbre? Je commence à avoir peur. Peut-on imaginer que ces bêtes savent voler, hein? Chef, c'est vous? Dites, chef, on a besoin de vous par ici. Enfin, où étiez-vous passé tout ce temps? On s'est trompé de chemin. Ah oui, ça j'en ai comme l'impression. Et alors? Alors, on a vu des rats géants. Comment? Des rats géants? Mais enfin, où êtes-vous? Vous le savez? Près d'un pont qui traverse un ravin. Vous passez... Comment ça? Je ne vous entends plus, Georges. Ah ben, l'écoute est brouillée. Et allons-y. Oui, chef. Allô? Vous m'entendez? J'ai perdu le contact. Essaie de te connecter sur un autre canal. Plus de jus. Essaie encore. Et ça s'est mouillé, docteur. Oui. Passons maintenant au son et lumière. Croyez-moi, ce n'est pas un orage naturel. Thank you.
catastrophe. C'était notre sortie de secours. Tu veux dire qu'on doit rester ici toute la nuit? Oui. Mais il y a des monstres qui rôdent. Moi, je veux pas leur servir de dessert. Deux rats, il n'y en a qu'un seul à deux têtes. Écoute, nous ne faisons pas un rallye tout de même. Celle-là, c'est la meilleure. Vous me dites de foncer, puis après vous me dites le contraire. Parfaitement, je commande et toi, tu n'as qu'à obéir. Bien, chef. Rien. Si, j'en ai vu une. Là, de ce côté. Comme quelqu'un qui a une bougie ou une lampe. Fais attention, c'est peut-être dangereux. Il vaut mieux aller voir. Tu es fou. Hé, hey, sortez de là. C'est chouette d'avoir de la compagnie, je me croyais seul au monde. Alors, ça va mieux, petit? Et comment? Hé, hey, petit, réveille-toi! Oui, on dirait qu'il a un accès de fièvre. Il va falloir l'emmener. Allez, les gars, sortons d'ici. J'ai l'impression que quelqu'un nous épie tout le temps. Enfin, quand il nous découvrira. Oh, vite, c'est pas le moment de faire de l'esprit. Oh. Ça alors? Impossible de traverser. Regardez donc un peu ce ciel. On se croirait à minuit. Mais non, chef, il n'est que 4h30. Oui, ça, je savais. Faut essayer de sortir de là. Non, je veux pas. Allez, allez. Dépêchons-nous, tout va s'écrouler. Attention, gamin! Ne faisons pas de bruit. Le monstre ne sait pas qu'on a filé.
Mais nous ne pouvons pas rester ici. Il faut trouver une issue. Il faut qu'on la trouve vite. Organisons-nous. Georges, tu restes ici. Occupe le rat géant. Je vais essayer de sortir. Oh, oh mon Dieu, le gosse est brûlant de fièvre. Je crois qu'il est très mal. C'est le moment pour Spectreman. Il faut que je sorte d'ici pour contacter Ordinator. Le gosse est dans un triste état. Je vais aller chercher du secours. Si le monstre me poursuit, profite-en pour sortir. Laisse-moi y aller. Ne discute pas, ce sera moi. Et je sais comment je dois m'y prendre. Je suis ton supérieur, non? Restez ici, je reviens. Georges! Un coin de ciel dégagé si je veux pouvoir contacter Ordinator. On pense qu'ils sont créés à partir de la pollution des terriens. Tiens, le voilà qui vole. C'est horrible. Voilà Nebula. Spectreman, le docteur Gori a inventé un nouveau monstre qui va polluer et ravager la campagne. Ce rongeur géant va provoquer d'horribles épidémies. Éliminez-le immédiatement. Je suis prêt. Regardez ce Spectreman! Oh. Bah, il était temps. Là, Spectreman! Thank you.
eu sa peau. Oh, c'est effrayant, cet être pousse.私は科学者宇宙だ。